Donc bonjour, bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui euh, une petite vidéo ras bol et coup de gueule Alors, j'ai, comme vous le savez j'ai des problèmes avec la 89, en, en l'occurrence avec le carbu. J'ai racheté un PHBG, je la passe en PHBG, diamètre 16 euh, Déjà euh, j'en ai marre, hein. franchement là je crois que je vais envoyer un message à, à Delorto Parce que là c'est bon, il faut qu'ils arrêtent leur connerie à un moment euh, ça je vous, ça pour ce, le truc que je vous dis là je vous reviens dessus après là euh, j'ai monté le carbu elle prend pas les tours et euh, elle tient pas le ralenti vis de ralenti vis à fond vis de richesse quasiment serre à fond donc euh, à fond et, et dévissé d'un demi tour la 89 ne tient pas le ralenti déjà euh, j'ai que principal. J'ai un 74 dedans, c'est un carbu de 16. Voilà. Euh... Pour vous donner un ordre d'idée, sur un 21, on a un 92. Vu que c'est des carbus avec réglage richesse, normalement les gicleurs devraient pas être très gros. Euh, et je vous dis ça parce que le SH, vous prenez le SHA15, c'est un gicleur de 68. Pour un 15. Normalement, c'est plus le carbu est gros et plus on met petit ça c'est pas trop le problème on va dire le truc c'est le gicleur de ralenti sur la fiche technique il était donné pour un gicleur de 50 sur un carbu de 16 à savoir que c'est ce qui est monté sur le carbu de 21 de chez PHBG le 19 c'est un gicleur de 45 donc je vais démonter je vais changer les gicleurs j'ai ce qu'il faut ici pour faire les réglages euh, je vais récupérer mon gicleur principal qui est dans mon SHA et l'autre problème je vous montre ça après parce que vous allez voir c'est rigolo alors, j'ai voulu dévisser le gicleur principal qui est là. Et j'ai le diffuseur qui se dévisse avec. À quel moment chez Delorto ils se sont dit, je ne sers pas le gicleur. Par contre, je viens de voir un truc là. C'est que normalement j'ai commandé le carbu pour les deux temps. Et je crois que j'ai reçu celui pour les quatre temps parce que je vois que le diffuseur il n'est pas percé. Maintenant on en vient au point que, ou qui m'énerve. Voyez le carbu là, regardez. Vous allez me dire, ouais, mais il n'est pas serré. Je vais vous montrer après avec un autre carbu PHBG qui est un 21, mais assez âgé, assez vieux. Regardez. peut que si je mets comme ça. Vous avez vu Regardez, je coupe pas la vidéo comme ça. Vous n'allez pas pouvoir dire que je triche ou quoi que ce soit. Alors on va le mettre comme ça. Je vais tirer un peu sur les câbles. Voilà. voilà. Je prends le PHBG de 21 qui est juste là. Montage rigide aussi. Pas de collier là, hein. carrément. Il hein. n'y a pas de collier là sur celui-là. Et regardez bien. Je le rends beaucoup plus en force déjà. Et là, regardez. Donc finalement, le problème c'est pas les pipes d'admission. Hein. J'avais bien raison, c'est les carburateurs qui sont mal. Euh... Alors, je sais pas si c'est les carbus ou les bagues, parce que franchement, ça commence un peu à me, à me casser les couilles là. Je vous avoue. Plutôt l'impression que c'est les bagues moi. Bon ben, au pire, hein, celui-là, il n'est pas complet, je couperai le carbu pour récupérer la bague et puis j'enlèverai la bague dessus-là. Mais putain, s'il vous plaît, de l'orto, vous vendez des carbures la peau du cul. Faites-les correctement. Dans ce cas-là, on va acheter de l'adaptable. Au moins, l'adaptable, on sait qu'on achète de la merde. Quoi. Donc j'arrête là pour ce soir. Euh, je ne peux pas la régler. J'ai pas les... Est-ce qu'il faut pour la régler? Euh, du coup, donc elle tient le ralenti maintenant mais uniquement vis ralenti vis à fond j'ai baissé le gicleur de ralenti au départ à 30 ça tenait pas je l'ai réaugmenté un peu de 5 points ça tient à 35 elle tient euh, après j'ai encore 37 40 et normalement j'ai 42 je crois que j'avais 45 mais je suis pas sûr ça par contre mais j'ai encore euh, des gicleurs de ralenti par contre le problème c'est que je suis trop riche sur le principal euh, là j'ai un gicleur de 54 ou de 58, je ne sais plus trop ce qui est monté. Enfin, parce qu'en fait j'ai des gicleurs que j'ai depuis des, des années qui sont, commencent à être un peu effacés au niveau du marquage. Il euh, y en a un que j'ai qui est en 58 dans la boîte là. Et je ne l'ai pas essayé, l'autre je pensais que c'était un 54 donc je l'ai monté. Mais elle est trop riche sur le haut régime, ça c'est sûr. Enfin sur le principal elle est trop riche. Parce que le truc c'est que j'ai de l'essence qui sort un petit peu par le pot d'échappement. Et quand je démonte la bougie, elle est trompée. L'aiguille, je pourrais la rebaisser encore d'un cran. Mais ça serait prendre des risques après. Euh, l'aiguille, actuellement, elle est au deuxième cran quand on part du haut de l'aiguille. Donc côté couvercle de boisseau. Je peux la baisser encore d'un cran, mais je ne veux pas parce que, après, euh, je peux serrer le moteur la, par la suite. Parce que je fais de la ville avec et avec la, en ville, je ne serais pas poigné dans l'angle. Donc les, le, voilà, vous m'avez compris. Donc là, il faut que je baisse les le gicleur principal qu'il faut que je baisse. Euh, J'ai pu la démarrer sans filtre à air et sans starter. Donc ça vous donne l'aperçu de comment qu'il est gros le gicleur encore. Parce qu'on est quand même au mois de février. Actuellement, il doit y avoir peut-être euh, 6, 6 ou 7 degrés dehors. Je crois un truc comme ça qu'il doit y avoir. Et à savoir qu'elle n'a pas tourné depuis des lustres. Hein. Bon, d'accord, l'essence elle est neuve, mais elle a pas tourné depuis des lustres. Et je trouve qu'elle démarre un petit peu trop facilement. Et surtout sans filtre à air, elle a même pas de trou. Donc ça veut dire qu'elle est beaucoup trop riche. Euh, normalement, euh, quand il n'y a pas le filtre à air, dès qu'on prend les gaz, elle doit faire bleu bleu. C'est ce que ça me faisait avec le SHA quand il n'y avait pas le filtre à air. Et là, on en est très loin. Elle marche aussi bien. En fait, elle marche mieux sans le filtre à air qu'avec le filtre à air. Donc elle est beaucoup trop riche. Donc il faut que je baisse le gicleur. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut que je baisse autant le gicleur. C'est quoi le problème chez Delorto Vous avez la flemme de fabriquer les carbus correctement ou quoi C'est un message que je poste pour Delorto, tiens. Non, parce que je l'ai démonté le carbu. Boisseau coupe 40. Ce qu'il y a dans le PHBG de 21. Le diffuseur, c'est un 262 AU. Ce qu'il y a également dans le PHBG de 21 euh, et le gicleur de ralenti, c'est du 50. Également ce qu'il y a dans le PHBG de 21. Donc je pose la question vous avez la flemme de fabriquer les carburateurs correctement ou quoi C'est des, des nouveautés. Hein. Je ne sais pas. Gicleur de 50. C'est même pas euh, en ralenti. Hein. C'est même pas ce qu'on a sur le, sur le 19. Le PHBG 19 Racing. Enfin, que ça soit le Racing ou le PHBG 19 Standard, la V2 avec le boisseau qui se visse. On a un gicleur ralenti d'origine sur le carburateur de 45. Le gicleur principal, je ne sais plus ce qui est monté sur le 19. Par contre, sur le. Bon, ce pas le gicleur du 21, ça c'est sûr. J le... Sur le 21 PHBG, c'est un 92 d'origine. Sur le 19, je ne sais plus ce qui est monté de base. Mais. Je ne comprends pas. Le carbu, il bat sur la pipe. Je prends le 21, ça, 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 ça le fait pas. Alors, je vais vous montrer un truc avant que vous commenciez à dire que c'est un vrai de l'ortho. Vous voyez 16AS, code 2511 standard. Donc, le 2511 correspond au carbu de temps. Je précise, au cas où il y en a qui viendraient ouvrir leur gueule en disant que mon... j'ai monté de la merde ou de la copie ou quoi que ce soit, le carbu, je l'ai payé 80 balles. Juste comme ça. Et en plus, euh, il est vendu pour des... C'est un, un carburant mobilette, vous ne montez pas du 16 sur du 50. Enfin, il existe en 15 aussi, hein, ce carbure là C'est le même carburant mais en 15, il existe. Et chose qui me casse les couilles aussi. Attendez, il faut que je le retrouve lui, par contre. Bon, bah, je ne retrouve pas le starter euh, qu'il y avait dessus. Donc, en fait, pour faire simple, il y avait un starter à tirette sur le carburateur. Vous avez le même truc sur le... Sur le 15. Alors, je suis désolé. Mais en général, ceux qui montent du PHBG en 15 ou en 16, c'est pour monter sur les mobilettes, surtout en rigide. C'est quoi l'intérêt de foutre un starter à tirette Surtout quand vous avez les carénages, euh, les carters latéraux sur les mobilettes, vous faites comment Vous démontez le carter latéraux pour foutre le starter, vous mettez la machine en route, vous, vous attendez qu'elle chauffe. Ensuite, vous enlevez le starter, vous remontez le carter. Mais vous êtes abruti ou quoi Faites-le sur du 17, du 17.5, du 19, du 21. Ok, c'est monté sur du 50 à boîte. C'est quoi l'intérêt de faire ça sur un carbu qui est monté sur une mob Vendez-le avec le Starter à cap, putain de bordel. Fournissez pas le, couble, le coude, ok. Fournissez le, le loquet, surtout pour ce que ça coûte, au prix que vous vendez les carbus, je sais pas. De leur tour, quand même. Ça, c'est petit. C'était le petit moment coup de gueule, parce que ça me casse les couilles. Franchement, j'en ai marre des problèmes de carbu La 89, elle est en panne depuis un an et demi, deux ans, tout ça pour une merde de carbu qui est pas capable de tenir. Parce qu'on ne sait plus fabriquer les pièces. Le SHA de 15 que j'avais avant, qui était un vrai de l'orto aussi, qui était un 15-15C aussi. C'est un carbu que j'avais récupéré d'occasion. C'est un carbu qui avait plus de 20 ans. Pas loin de 20 ans. Pas de problème. Il tenait bien et tout. Bon, bien entendu, il y a des petits fils de pute qui m'ont fait des dégradations sur la mobilette parce qu'on veut me la racheter et moi je veux pas. On m'a fait des vacheries dessus. Du genre... Euh euh, Garde-boue arrière plié, du genre carter latéraux qu'on avait, j'avais changé en vidéo euh, qui a été forcé, euh, pipe d'admission pété et bah, carbu pété aussi parce qu'ils ont dû foutre un coup de pompe dedans. Puis voilà, et euh, donc voilà. Puis bah, j'avais racheté le SHA neuf et je m'en doutais un petit peu parce que je l'avais eu le problème déjà quand je roulais en 103 euh, euh, à l'époque, j'avais déjà ce problème là sur ce putain de carbu, mais pas autant. J'avais le problème, je prenais mon Dremel avec un disque, deux petits coups de Dremel, je remontais, chéré, je hop, ça bougeait plus. Et pas de prise d'air, ni rien. Là, bon, bah, le problème, c'est que bah, même quand on modifie le carbu, vous le, vous le serrez, vous le prenez, vous le tirez, il vient. Et le même problème sur le PHBG, 20, euh, le PHBG que j'ai monté. Vous prenez le 21 qui est, je ne sais plus trop où, quand je l'aurai. Voilà. PHBG de 21, c'est un vieux PHBG. Donc qui date, il n'est pas complet, donc je peux, mais de toute façon je ne vais pas monter du 21 sur une meuble. Euh, et ben il bouge pas. Et il n'y avait pas le collier. Hein. Et celui-là, il a 5 Airbucks qui a déjà roulé, hein, il a été utilisé et tout. La pipe d'admission est neuve. S'il y en a qui se disent Ah mais t'as peut-être pas changé la pipe, bah si, ils changé changer la pipe puisque je suis passé d'un SHA à un PHBG. L'emmanchement c'est pas le même. Et la pipe, c'est pas de la merde, c'est une mal aussi. Hein. Donc euh, voilà. Et une mal aussi d'époque. Donc et puis de toute façon si ça serait la pipe celui-là il tiendrait pas ça serait même plus logique que celui-là celui-là qui tienne pas puisqu'il a déjà roulé celui-là il a même pas encore roulé je, je l'ai eu euh, je l'ai eu ce matin le carburateur à l'heure où je vous fais la vidéo on est jeudi 8 euh... février je crois ouais jeudi huit février et je l'ai reçu ce matin mais le problème c'est que bah on sait pas on sait plus fabriquer les pièces enfin c'est pas qu'on sait plus fabriquer les pièces c'est même pas ça, c'est même bien pire que ça. C'est qu'on ne veut plus fabriquer les pièces de mobilette correctement parce qu'on ne veut plus de mobilette sur les routes. Et je suis en train de voir ça aussi sur les 50. Vous prenez les joints speed top performance pour les AM6. J'en ai acheté des, des, des dizaines et des dizaines. Enfin, je me comprends quand je dis des dizaines et des dizaines. J'ai pas fait un milliard de moteurs en AM6 non plus. Mais j'en ai acheté pas mal et j'ai jamais eu de problème. Et bah le jour que j'ai fait la 50 à mon cousin, j'avais acheté ces joints là parce que justement j'en avais monté sur ma 50 et j'étais pas emmerdé avec. Avant de démonter le moteur de la 50 à mon cousin, euh, bah pas de prise d'air. Et puis bah au moment que j'ai refait le moteur, que maintenant je veux que je teste tous mes moteurs euh, à part la 89, parce que la 89 c'est un peu compliqué à faire les tests. À faire les tests d'étanchéité. Mais euh, je l'avais passé en test d'étanchéité avant, il y a pas de fuite. Et je le teste en test d'étanchéité après avoir refait le moteur. Fuite au niveau du vilebrequin, côté allumage et côté embrayage. Côté embrayage, en fait, pour faire simple, j'ai l'entretoise qui rentre dans le joint SPI. En temps normal pour les sortir quand euh, c'est sur des joints SPI de qualité, je remonte le bouchon de l'échappement, je mets un coup de soufflette avec l'adaptateur dans l'admission la, pour sortir. Le, la entretoise, là, je l'ai pris juste avec mes doigts et j'ai à peine tiré dessus, elle est venue. Et après, j'y ai mis les deux Polini, plus de prise d'air. Donc euh, voilà, ça c'est pareil, ça m'énerve aussi. De l'orto, pas capable de fabriquer les carbus. Et Top Performance, pas capable de fabriquer leurs propres pièces correctement. Parce que de le Top Performance, j'ai eu pas mal de problèmes aussi. Hein. Sur plein de pièces, je ferai une vidéo à part ça. Et euh, ça me saoule, franchement, j'en ai marre quoi. La 89, de toute façon, c'est prévu que certainement je démonte le moteur dans quelques temps parce que il y avait une prise d'air dessus. Puis bah, quand j'ai démonté le SHA, bah, j'ai compris d'où venait la prise d'air. Et euh, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'étanchéité moteur, mais je vais changer le vilebrequin et les roulements de vilebrequin. Le vilebrequin qui est dedans, c'est un vilebrequin de 51, mais le problème, c'est que c'est du vilebrequin de 51 d'aujourd'hui. Si vous m'avez compris. Et le truc, c'est que. Il est prévu pour être claveté, sauf que aller claveter un, un, un allumage claveté sur un AV7, hein, vous avez une chance sur deux de vous retrouver avec trop d'avance et puis de vous retrouver avec un trou dans le piston. Donc euh, il tenait bien dans les débuts le volant magnétique, sauf que le rotor, sauf que bah là depuis quelques temps, je m'aperçois que je suis obligé de le, baise, de le serrer comme un malade parce que sinon le rotor, il... ça m'est déjà arrivé. Donc euh, en temps normal, je le serre normalement, euh, je suis habitué à les serrer ces trucs-là, je le serre euh, comme il faut. Et un jour comme ça, ben, je me suis retrouvé euh, avec une machine qui tirait plus. Quand j'ai regardé l'avance, ben, j'étais pas, pas loin des 2,5 mm d'avance. Mm Comment vous dire que c'est un peu énorme. Là-dessus, moi je suis à 1,9 normalement. 1,7 un, un ou 1,9, je ne sais plus combien j'ai mis, il faudrait que je regarde sur la vidéo. Mais euh, je crois que c'est à ouais, 17 un, un 9 là-dessus. Parce que je suis en allumage électronique. Donc 2,5 sur un rupteur, bon. Pourquoi pas? Mais euh, 2,5 sur un, un électronique, euh, c'est pas bon. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Euh, J'en referai, je pense, un petit short pour vous pour vous montrer qu'elle fonctionne. Là, elle tourne, hein. c'est juste que bah, la vis ralenti, elle est serrée à fond. Enfin, pas à fond, mais quasiment à fond. Un, un poil de cul près, elle est serrée à fond. Et ça me plaît pas. J'aime pas avoir une visée ralentie vissée à fond. Euh, puis là, de toute façon, elle, elle est trop riche. Euh, je vais démonter la bougie, je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Donc voilà Elle a tourné euh, même pas une minute. Hein. Je l'avais essuyé avant. Hein. Regardez. Vous comprenez je vous dis qu'elle est trop riche. Elle est blindée d'essence. Donc sur ce, bah, c'est tout pour cette vidéo. Euh, J'aurais voulu faire une, autre, une vidéo un peu plus longue, mais j'ai pas vraiment le temps. Il faut qu'elle tourne assez rapidement, elle. C'est pas loin de chez moi, il y a dans, dans à peu près deux mois, il y a une expo de véhicules anciens. Et comment dire, qu'elle est très loin d'être prête pour y aller. Là, euh, j'ai enlevé les enjoliveurs de réservoir parce que je suis en train de les re les repolir en fait. Et euh, après, bah j'ai tout le reste à faire, j'ai tous les carénages à nettoyer et tout. <coughs> enfin, toute la moblette à nettoyer parce que comment vous dire que ça fait un moment qu'elle roule pas. Et euh, voilà. Sur ce, à une prochaine.